La finale dans le prolongement. Pour réaliser cette finale, le lutteur offensif vient se positionner derrière la tête de son adversaire dans le prolongement de son corps. Il vient ensuite engager simultanément ses deux bras sous les épaules de l'adversaire et vient exercer une forte pression sur le haut du torse de l'adversaire avec son propre torse à la verticale de la ligne des épaules. Pour assurer un contrôle parfait, la tête vient s'appuyer fortement contre le flanc de l'adversaire et les deux mains du lutteur offensif viennent se plaquer de part et d'autre du lutteur contrôlé. Le lutteur dominant s'allonge et écarte ses appuis pédestres au maximum pour une meilleure stabilité.